5 hectares, voilà la superficie retenue dans la commune de Semekpoudji pour mettre en terre de nouveaux plants à l'occasion de la journée nationale de l'arbre. Restauration des forêts et innovation, un thème novateur autour duquel sont rassemblés ministres, responsables communaux, forestiers, acteurs d'ONG et bien d'autres. L'importance de l'arbre n'est plus à démontrer. On ne vit pas sans arbre. On ne respire pas sans arbre. On ne mange pas sans arbre. Ça veut dire que l'arbre maintient toujours sa place et maintient toujours sa primauté dans la vie de l'homme et dans le maintien d'un environnement sain propice à la vie. Aujourd'hui, samedi 1er juin 2024, le peuple béninois tout entier célèbre la 40e édition de la Fête nationale de l'arbre qui marque le début de la campagne nationale de reboisement 2024-2025. Le thème retenu cette année, restauration des forêts et innovation, vient nous rappeler la nécessité de l'introduction des essences autochtones de valeur localement répandues endémique au niveau de nos forêts et de nos espaces aménagés. Sur cet espace seront plantées plusieurs espèces. Durant la campagne 2023, la production totale de plants, toutes essences confondues, est de 42 072 949 plants, dont 2 310 079 plants d'essences autochtones. L'objectif de cette année est de réaliser 10 000 hectares de nouvelles plantations sur la base des grands principes suivants. Il s'agit ici de construire une synergie d'action avec les communes et les communautés à la base. Cet appui permettra aux communes de créer des plantations communales ou de restaurer des forêts communales d'une part, et de réaliser des jardins ou espaces verts publics, d'autre part, dans une perspective de ville durable. Une innovation retient l'attention. C'est la création d'un groupe d'enfants dénommé ambassadeurs des forêts. Déjà engagés, leurs représentants expriment des vœux. Nous voulons aussi avoir la possibilité de continuer à étudier les forêts pour la nature et non dans les livres. Permettez-nous de cohabiter avec la nature. Innover. Innovons pour restaurer ce qui est dégradé. Pour José Tonato, ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, cette journée donne l'impression d'un éternel recommencement et le constat est là. Devons-nous continuer à promouvoir des forêts classées ou bien promouvoir des forêts sacrées? Parce que les forêts sacrées ont eu du succès. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de dehors. Toutes les leçons de préservation de la biodiversité existent chez nous. Il suffit de regarder autour de nous. Et aujourd'hui, notre modernité fait reculer tous ces avantages de nature que nous avions. Mais je pense que nous pouvons ensemble trouver la solution. Et je souhaite que ce 40e anniversaire soit réellement le point de départ d'une nouvelle dynamique de réflexion. J'insiste sur la réflexion parce que malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'en Afrique, nous ne sommes pas capables de réflexion. Nous ne sommes pas capables de nous asseoir, de nous poser, de lire et de proposer des choses comme solution aux problèmes que nous avons. Nous sommes des consommateurs des solutions imaginées par les autres, des solutions qui ne sont même pas adaptées à notre cadre de vie. Mise en terre de plans par les participants, ministres et populations sont passés à l'acte. Que notre planète Terre, surtout au Bénin, ne soit pas un désert, parce qu'avec les arbres, nous avons beaucoup de choses à gagner. Avec les arbres, nous avons la facilité de vivre aisément et être à l'abri de
le changement climatique que nous vivons ces derniers temps. Journée nationale de l'arbre au Bénin, faudrait-il continuer à promouvoir les forêts classées ou penser à la promotion des forêts sacrées, une réflexion à laquelle sont invités les Béninois.